every time that I see your face, it always makes me smile. Oh, oh. And every time that I drive to you, it's always worth my while. Oh, oh. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment remplacer les hélices de votre drone, donc pour le JJRC-47, et comment le rendre un peu plus les hélices un peu plus qui tournent un peu plus vite, parce que avec le temps j'ai remarqué que le drone bien sûr n'avait manqué d'autonomie. Et également un petit peu de vitesse. Donc ce n'est pas dû forcément à la batterie qui s'use, c'est souvent dû au roulement et aux hélices. Donc aujourd'hui je vais changer les hélices et lubrifier un petit peu les roulements. Je vais vous montrer. Donc il faut pas avoir peur à oser démonter votre drone, c'est fait pour ça. Donc prenez le petit tournevis qu'ils fournissent avec et commencez bien sûr donc à dévisser. Je regarde ce que j'en ai déjà fait, donc il restait celui-là à faire. Donc suivez bien en fait dans le manuel, dans le livre. Dans le livre, je vais vous montrer. Donc, dans le livre, vous avez. Faut suivre correctement. Donc, suivez correctement le manuel pour le changement d'hélice. Ou la première fois, quand vous le changez, regardez le numéro qu'il y a sur les hélices. Chaque hélice porte un numéro. Il est très important ce numéro. Sur le JJR47, donc c'est des A et des B, donc c'est A1, B1, A2, B2. Donc, et là, tenez compte bien sûr du sens du drone. Donc là, il montre qu'il faut dévisser l'intérieur, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer, je vais aller un petit peu plus loin que dévisser ici. Parce que les hélices sont en plastique, il n'y a pas de protection contre les hélices. J'ai pas vu qu'ils vendaient des protections comme les autres drones pour protéger les hélices. Allons-y, démontons. J'avais déjà commencé ici. Voilà, c'est facile. Voilà, vous voyez, ça s'enlève facilement ici. Donc on prend sa nouvelle hélice, on regarde bien sûr le numéro. Donc, je vais vous montrer en fait ici. Donc je ne sais pas si on le voit pas, comme d'habitude. Le focus. Il fait mal le focus. Ouais, c'est très difficile à vous montrer, il veut pas faire le focus. Donc désolé, impossible. Donc il a marqué un numéro ici, donc A. Ici, il est marqué A2, donc c'est l'hélice originale. Dans le paquet que j'ai remarqué, donc d'hélices de rechange, vous allez avoir deux hélices A1, donc une A1, une B1, une A1 et encore une B2. Vous inquiétez pas, les A1 ou A2, c'est le même modèle. Donc, car j'ai commandé aussi un autre paquet d'hélices. Et donc vous inquiétez pas, ça fonctionne également. Donc vous prenez votre nouvelle hélice. Voilà.
Voilà, du même modèle. Et bien sûr, vous la replacez. Donc, prenez un peu. Donc, ici, c'est un lubrifiant spécial. Hein. C'est une huile spéciale pour drone. Bah, il n'y a pas d'huile spéciale pour drone. Hein. C'est une huile spéciale pour roulement. Donc, c'est un lubrifiant. Si vous ne possédez pas ça, bah, achetez-en. Sinon, un peu d'huile fera l'affaire. Mais bon, je conseille d'acheter du spécial. Parce que l'huile, ça devient gras. Ici, au contraire. Donc, mettez un peu. Ici, vous allez voir, ici, y a... ça passe à travers. Donc, on fait comme ça. On le place. On enfonce bien. Voilà. Donc, l'étape du remplacement de l'hélice est faite. Vous avez vu, c'est très simple. Donc, surtout bien respecter les chiffres. Après, on va démonter. Donc, vous voyez, il y a deux vis ici. Et donc, il y a l'hélice, ça, c'est pas grave. Et une hélice à l'avant. Un vis plutôt, excusez-moi. Donc, au-dessus et deux à l'arrière pour le changement. Donc, on commence à démonter donc vis par vis. Voilà, ça fait 1. Ça fait 2. Donc, faites attention à ne pas perdre les vis. Hein. Dévissez bien. Ils sont vraiment tout petits. Voilà. Donc les deux à l'arrière, c'est fait. Il reste plus que celui-là de l'avant. Voilà. Et vous allez voir la partie inférieure. Donc il faut que j'ai bien dévissé, bien sûr. Donc la partie inférieure va venir directement dans vos mains. Voilà ici. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez le petit moteur, le câble auquel il est relié bien sûr, et là vous avez le roulement. Je ne sais pas si vous voyez. Du noir, c'est pas toujours bien pour montrer. Donc j'essaye au mieux de vous le montrer. Apparemment le focus il veut pas. Donc vous avez le petit roulement ici. Ici. Je vous montre avec le tournevis. Ici, vous avez ici, ça tourne. Donc pour le rendre plus fluide, mettez un petit peu d'huile ici. Voilà. Je le tourne un petit peu pour qu'il prend bien tout le roulement. Voilà. Après, remettez la pièce. Et on revisse. Voilà. Hop là. Dernière pièce. Donc, et si vos hélices sont abîmées et tout le reste, faites ça. Donc mettez un petit peu d'huile sur le roulement, sur toutes les parties. Donc après on prend une batterie. Donc moi je vous montre, hein, j'en ai acheté plusieurs batteries.
Parce que comme ceux qui ont vu ma vidéo, le problème de ce drone-là, c'est la batterie. Donc si on veut bien s'amuser avec, acheter des batteries supplémentaires. Donc voilà, je vous montre. On place la batterie. Hop. On appuie sur le bouton. Et le drone est comme neuf. Donc voilà, comment améliorer un petit peu la durabilité de son drone, améliorer le roulement, donc les hélices vont tourner plus rapidement. Il va durer un petit peu plus longtemps en vol. Parce que le roulement, ça fait tout, hein, si c'est bien huilé. Donc quand vous recevez le drone, si vous démontez la première fois, l'hélice, vous allez voir, il y a un petit peu de lubrifiant, ils ont déjà mis un petit peu d'huile. Et donc, comme quoi c'est important. Donc voilà, c'était Dingo Darwan. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. J'ai un jeu concours pour ceux qui ne le savent pas. Donc la vidéo va s'afficher en bas. Donc vous allez la voir affichée à la fin de la vidéo. Un grand merci d'avoir regardé. Bonne journée à tous.